100 photographies de femmes en noir et blanc. Certaines travaillent dans l'ombre et d'autres sont sous les feux des projecteurs. Connues ou inconnues, elles ont toutes une histoire. Chacune à son niveau, ces femmes tiennent fièrement leur place dans le paysage économique du pays. Chefs d'entreprise, militantes associatives, ouvrières ou femmes de ménage, le regard de ces femmes est à l'honneur dans cette exposition. C'est 100 portraits de femmes, c'est du noir et blanc. Le noir et blanc, je le dis, ça a une classe folle, c'est intemporel. On avait 4 photographes, absolument 4 artistes merveilleux. Et parité oblige pour capturer les visages de ces femmes. 4 photographes ont été sollicités, 2 femmes et 2 hommes. Des styles différents et des regards différents pour illustrer la femme marocaine dans toute sa diversité. Rabat célèbre la femme marocaine, mais pas uniquement une catégorie spécifique de ces femmes. La femme marocaine est célébrée dans toute sa diversité et ses sensibilités. Et je suis contente parce que moi aussi, je me sens représentée dans cette exposition avec mes différences, mes idées et mes sensibilités. Toutes représentées sur un même pied d'égalité, les 100 figures féminines de cette exposition reflètent un Maroc féminin pluriel où la persévérance est souvent synonyme de réussite.